Je jure que ça me pète les couilles. Ouais, super début de vidéo, tiens. Je sais même pas si ça enregistre. Quoi fait YouTube? Ah, c'est le moment coup de gueule, on dirait un peu là. Il y a Caroline ce matin, Florent qui fait une vidéo sur l'école qui est bien lourde. Avec un gros côté émotionnel pour peu que tu sois pas un débile. Et que t'es pas. Que t'es humain en fait et que t'as un peu d'empathie. Enfin bref, c'est peut-être un peu trop te demander. Moi, je vais parler des nouveaux abonnés là. Ça me. Ouais. Je vous trouve vraiment, vous êtes des débiles. Vous êtes un peu des merdes en fait, les nouveaux abonnés. Ah, je suis désolé, hein, je vais pas te brosser dans le sens du poil en fait. Ah, merci. C'est grâce à vous. Non. Non, non. Je remercie Tony, je remercie les deux compères, là, Tony et Tonton. Tony, parce que bah, en fait, ouais, j'ai une nouvelle vague d'abonnés parce que je suis passé sur la chaîne de Tony avec sa discussion et puis j'ai été recommandé dans l'école Ernestienne de Ernesto. Donc je vous remercie pour ça, hein, c'est cool d'avoir des nouvelles têtes un peu. Pour peu, disons. Voilà. Mais pour la plupart là, voilà, qu'est-ce que vous faites là en fait? Qu'est-ce que tu viens foutre là? Je comprends pas. Le mec il regarde juste les deux dernières vidéos. Pour la plupart. Juste les deux dernières, les deux nouvelles. Et puis voilà, c'est tout. Mais clairement, qu'est-ce que tu fous là? Là, on n'est pas sur des logiques de consommation, en fait. Je t'explique peut-être un petit peu vite fait. C'est pas, je regarde, je prends juste ce qui est nouveau, ah, et tout ce qui est ancien, on s'en fout, c'est démodé ou je sais pas c'est quoi votre logique parce que j'ai du mal à comprendre ce comportement, en fait, de débile. En fait, je crois qu'il y a, c'est pour ça que d'idiot, en fait, c'est même des victimes, en fait, vous êtes des victimes parce que on vous a dit de vous abonner. Ah, vous êtes parti vous abonner comme des couillons. Là. Sans. Je me demande si. Est-ce que vous êtes venu sur les chaînes qu'on vous a dit de vous. Non. En fait, on vous a dit de vous abonner, vous êtes juste abonné, vous avez regardé les deux premières vidéos et vous avez zappé, c'est ça? Je veux dire, désabonne-toi, hein. Clairement, je le répète. Hein. Cette vidéo va se titrer Désabonne-toi. Hein. Si c'est pour juste faire ça, j'ai pas besoin de ça en fait. Moi, je te jure que ça me casse les couilles. Mais d'ailleurs, ça fait un peu aussi écho à une vidéo de Caroline avec les durées de visionnage. C'est une belle blague, ça aussi. Ça. Quand tu vas dans tes statistiques YouTube, c'est une putain de blague. Tu sais, tu fais entre 5 et 10 minutes de vidéo. Non, 5. Rarement hein, sur YouTube sur cette on va dire un peu cette communauté là YouTube underground la plupart des vidéos elles excèdent quand même 8-10 minutes tu vois et sur 8-10 minutes t'as 3 minutes de vidéo 3 minutes de visionnage je sais pas ce que tu vois dans 3 minutes alors peut-être que tu fais de l'avance rapide ou pas je sais pas hein. Parce que ah, aujourd'hui il faut tout immédiatement, encore ça fait encore écho à ce que je disais dans une vidéo, hein, tout l'immédiateté, il faut que ce soit rapide, soit efficace, hein, prends ton temps un peu, enfin bref. Bon, enfin, mais c'est ça que je comprends pas en plus, parce que les vidéos sont plutôt accessibles en fait, c'est ça que je comprends pas. Je veux dire. Donc pour moi ça paraît plutôt accessible. Bon, certes parfois on va dans des peut-être trop loin pour certains ou je sais pas quoi. Mais au niveau du langage on utilise tout c'est compréhensible. Alors peut-être la forme vous déplaît. Ben, c'est pour ça à ce niveau-là désabonne-toi, ne t'abonne pas parce qu'on t'a demandé de t'abonner. Bien une logique de victime ça quand même. Hein. On m'a dit de m'abonner, alors je m'abonne. Je suis désolé pour ceux qui.
Parce que je sais très bien qu'il y en a qui sont venus et qui apprécient ce que je fais et qui regardent ce que j'ai fait, qui regardent des vidéos où mon bœuf de 30 minutes, tu vois, ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'est l'une de mes premières vidéos. Il y en a qui, j'ai eu des retours sur mon bœuf de 30 minutes. Tu vois, là, je me dis, ouais, bon, le gars, il cherche quand même, il cherche à s'intéresser. Mais mec, si t'es là et que tu cherches pas à t'intéresser à qui je suis et tout ça, mais qu'est-ce que je propose? Mais mec, casse-toi, franchement, je te jure, casse-toi. Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Moi, je suis désolé, c'est pas dans mon habitude de faire ce genre de vidéo là. Un peu négative, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais j'avais besoin en fait, ça fait 2-3 semaines là, je suis là, je vois, je suis 300 abonnés. Et puis là, t'as mes dernières vidéos. Ah, par contre, Gomuscu, ah ça oui, hein. Gomuscu, 400 vues. C'est les vidéos les plus nazes en fait. Je veux dire, voilà, ça, je suis sûr encore, ça va faire des vues. Des vues. Il y aura un maximum. Ça me casse les couilles en fait. Enfin bref, c'est pas, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Juste, si ça t'intéresse pas, désabonne-toi. Voilà, c'est tout. Et encore une fois, là, j'ai cité plusieurs chaînes. J'ai presque envie de. À la base, j'aurais dit, ouais, bah va voir ces chaînes. Carolan, Florent, va voir ces chaînes. Non, mais en fait, non. Je te conseille de ne pas y aller carrément. Bah, en fait, parce que si c'est pour que tu y ailles parce que je t'ai dit d'y aller, n'y va pas. D'accord? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est beaucoup trop long pour ce sujet naze. Encore une fois, c'est ce qui va être vu. C'est dingue, hein? 400 vues sur les Gomuscu. Alors que. J'imagine que c'est des vidéos, mais. En fait, vous êtes des putains de poissons, mon gars. On vous jette un petit peu de viande comme ça, là. C'est même pas de la viande, on vous jette un appât. C'est le titre. D'ailleurs, c'est marrant parce que. Je sais pas si tu vas regarder cette vidéo. Je sais plus c'était quoi ton nom. Même si j'ai apprécié l'échange, c'était un commentaire. Je suis quand même obligé de. Je suis quand même obligé de t'exposer. Alors, c'est pas. Je cherche pas à te démonter. Hein. C'est juste pour donner un exemple. J'ai eu un commentaire sous la vidéo Gomuscu où en fait le mec, il est venu parce que en fait le titre l'a un peu choqué. Hein. Il a vu Gomuscu, soit les débiles moteurs, je sais plus c'était quoi. Truc un peu provoque. Le gars, il a même pas regardé la vidéo, il a regardé les commentaires et le mec, il m'a fait un commentaire. Donc bon, moi je suis toujours dans une approche un peu, je suis pas quelqu'un de réaction, va te faire enculer parce que tu vois, il y a pas ça. Je suis pas dans ce style-là, donc je lui ai expliqué un petit peu, voilà. Donc d'ailleurs, au final, l'échange, il était très intéressant, hein. C'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, on a quand même, je veux dire, en fait, les mecs, c'est des poissons. On vous jette, on vous met un petit titre un peu aguicheur, et là, vous êtes tous là. Putain, mais vous voulez juste. C'est ça, hein, la logique je comprends que la polémique, ça marche de ouf. Ah, tu mets juste un titre, on s'en fout un peu ce qu'il y a dedans, tu craches un peu sur le truc, et puis voilà, ça te fait 10 000 vues. Enfin bref, c'est déplorable de voir que en fait ma vidéo qui a le plus de vues, c'est les Gomuscu ou les débiles moteurs. Enfin bref, j'ai beaucoup trop parlé dans cette vidéo. Mais voilà. Allez, Narbis YouTube et toutes les merdes là qui sont là, on sait pas trop pourquoi, désabonnez-vous. Hein. J'ai pas besoin de 100 abonnés, 50, c'est très bien, moi je pas besoin de plus. Tous ceux qui sont là, parce qu'on leur a dit d'être là, moi, ça m'intéresse pas. Hein. Allez. Narbi, c'est pour tous les autres. C'est cool. Allez.